Bon, bah vous pouvez voir la nouvelle GPR donc, que j'ai achetée il y a 4 mois maintenant, bah, qui vient d'être finie d'être remontée, hein, je vais remonter tranquillement. Disons que c'est l'hiver, j'avais pas trop envie de... Bref, vous avez compris. Donc voilà, bah, c'est une machine qui était censée avoir été entretenue chez un spécialiste. Et bah franchement, je ne suis pas garagiste, mais ça fait 12 ans que je traînais avec une GPR, enfin 12 ans ou 10 ans, je sais plus, ça fait longtemps quoi. Et c'est une machine que je connais par cœur. Et franchement, la chose que j'ai pu dire et que je peux dire, après l'avoir démontée entièrement pour la retaper, c'est que c'est une machine qui a été entièrement désossée, mais de A à Z. Il manquait la moitié des vis. Ça a été remonté comme des gros dégueulasses. En plus, avec des vis qui sont pas d'origine. Alors, le mec, en gros, il a démonté, il a pris les pièces, et puis il a remonté à l'arrache, quoi. Le réservoir ne tenait plus qu'avec une vis, hein. Tout le bloc qui est en dessous de la coque arrière. Le coffre, il suffisait de pousser avec le doigt, il s'enlevait tout seul, hein, il s'ouvrait. Et encore, il ne remontait pas parce que le ressort à l'intérieur qui est censé soulever avait été monté comme un dégueulasse aussi. Il ne soulevait même plus tout seul comme ça. Hein. Voilà. On peut voir d'ailleurs qu'il manque le cache ici, qu'il faut que je rachète. Donc il va falloir que je me retape un coffre complet à mon avis. Alors vous pouvez voir que je l'ai repeint en noir brillant, hein, parce qu'avant il était complètement dégueulasse. Il faut que je rachète une batterie d'ailleurs à la chaise. Peut-être emprunté pour un niveau d'eau. Ah, c'est bon, ça n'a pas bougé. Donc, je regarde le niveau d'eau parce que j'ai changé le cylindre. Alors, comme j'ai pas changé de joint de culasse, vu que la culasse est encore collée dessus, et normalement c'est des joints de culasse en métal, ça ne doit pas gêner. Mais apparemment, c'est pas le cas. Hein. Donc j'ai changé le cylindre pour remettre mon cylindre d'origine. J'ai mis un pot d'origine que j'avais avec l'ancienne GPR, donc un pot qui a 12 ans, il date de 2001. Je l'ai un peu repeint en or brillant. Il avait un bon coup de rouille quand même. J'ai mis une attache pour faire beau, normalement il n'y en a pas besoin. Une belle attache en or brillant aussi, des petites potences en carbone pour faire beau. Histoire de donner un peu de style à cette pauvre machine. Hein. Donc j'ai repeint le garde-boue arrière en or brillant, pareil. Le coffre, j'ai dit, donc les poignées, les embouts de poignées quoi, les poignées de frein et d'embrayage, pareil pour le plastique à l'avant. Donc il me reste à faire les jantes qu'il faudra que je ponce, mais ça je le ferai quand je changerai les pneus parce qu'ils sont étamés, donc il faut que je les change. Il manque malheureusement le garde-boue arrière du petit chêne que le mec n'a pas donné. Alors c'est une machine qui a 30 000, mais franchement celle que j'avais avant qui avait 80 000 est en bien meilleur état. Bien plus performante que son moteur de merde qu'il avait dessus, ainsi que son pot Doppler de merde. De toute façon, j'ai jamais été fan de Doppler, et ça a confirmé ma thèse. Franchement, c'est la merde. S'il n'y a pas les pièces qui vont avec, ça sert à rien. Le mec avait monté un pot Doppler avec un cylindre adaptable, donc cylindre adaptable de la pure merde. Peut-être que si j'avais monté son Doppler avec mon origine, il aurait eu la patate. Mais en tout cas, avec son origine adaptable, c'était la merde. Elle peinait à passer la deuxième. Donc à savoir que quand j'ai récupéré cette machine, j'ai dû changer la jante arrière, simplement parce que le mec a foiré toutes les vis qui tenaient la couronne, et il a voulu retarder, il a tout foiré, en fait il a niqué la jante comme un crétin. Donc j'avais pas pu l'essayer sur place. Et comme elle me paraissait bien dégueulasse au niveau de la saleté, j'ai pas vu tous les défauts qu'elle cachait sur le coup. Et comme le mec s'est très vite barré avec sa copine, quand je l'ai démonté pour la faute de la bagnole avec le frangin, on a pu constater malheureusement tout ce qui avait été démonté, tous les dégâts qu'elle avait en dessous des coques. Alors, dégâts, on va dire entre parenthèses, c'est plus du démontage et des vis manquantes, etc. qu'autre chose, quoi. Il manquait vraiment beaucoup de vis. Son moteur, quand je l'ai poussé, quand je l'ai démarré, elle peinait à passer la deuxième, bord de rire, quoi. Et le mec m'a affirmé qu'il me montait à 122. Mais lol, quoi. Déjà 122, j'y croyais pas. Bon, en plus, quand j'ai vu ce qu'elle avait dans le ventre, une fois que j'avais fait démarrer avec la jante, mort de rire. Donc, bah, j'ai remis mon origine, qui est la patate, comparé au sien. Je monte un petit 90 pour l'instant, ce qui est normal, hein, cette peau d'origine débridée. Et c'est un carbu de 14 seulement. Donc, voilà, là, elle est remontée bah, dans un état quand même plutôt nickel, hein, comparé à ce qu'elle était avant, quoi. Je vais traiter des photos à la fin de la vidéo pour montrer un peu l'état de la machine. Qui franchement était pas très propre et pas très belle à voir. Les carénages, pareil, j'ai galéré à les recentrer.
Il n'y a rien qui allait dessus. Rien du tout. Le mec a dû bien se rétamer, il a dû bouffer tous les empattements parce qu'il n'y a, y a rien qui allait dessus. Hein. La vis qui maintient juste en dessous le clignotant, pas moyen de la remettre, ça allait pas. J'ai dû repercer le carénage pour pouvoir l'adapter. C'est plus moyen de centrer correctement. Pareil, hein, on peut voir ici qu'il a rétamé la mousse juste sur le dessus du compteur. Tout ça, bah, c'est la vis qui est ici touchée. Il n'y a rien qui était réglé droit. Il n'y a rien qui allait. Il en va de même pour la coque arrière, il n'y a rien qui allait dessus. Son plastique en dessous était décalé. D'ailleurs, je l'ai repas en or brillant aussi. Donc ça, j'ai dû, pareil, retravailler le plastique sur les bords pour pouvoir le ravancer un peu et le réadapter à ma façon. Sinon, ça n'allait pas. Plus loin de remonter correctement. Pourtant que la coque est bien remise, hein, je veux dire, sur ces deux vis de devant et sur l'arrière, elle est bien fixée. Donc je comprends pas que ça l'ait pu. Bah, pour moi, c'est une machine qui est clairement tombée plusieurs fois. De toute façon, le mec s'en servait dans une forêt pour faire le con. Alors comme ça, il n'y a pas photo, je comprends pourquoi elle était encrassée comme de la merde. Hein. Le mec, il me disait qu'il s'en servait pour aller faire pour son boulot, j'y crois pas trop. Ça, c'est une machine qui a roulé dans la forêt, qui a fait de la merde. Hein. Vu toute la terre qu'il y avait dedans. De toute façon, c'est pas étonnant, elle venait d'un patelin, donc bon. L'étrier de frein arrière, pareil. Le mec comprenait pas pourquoi il freinait plus. Ok. Alors déjà, sa durite, qui va jusqu'au petit... bon, j'ai plus de nom en tête. Bref, sa durite était à l'équerre. Hein. Donc, il n'y a plus rien qui pouvait passer. Et de plus, sa purge était à faire complète. Hein. J'ai passé une demi-heure à purger son frein tellement il y avait d'air dedans. Crête, hein, je te jure. Vouloir faire ça soi-même, vouloir le faire soi-même, sérieux quoi. Le pire c'est m'avoir dit que ça a été fait par un spécialiste. Alors je sais pas si c'est le spécialiste qui a voulu purger, qui a pas su le faire. Puis bon, déjà on n'amène pas une machine comme ça à un automobiliste. Il s'occupe des quatre roues, il s'occupe pas des deux roues. Donc c'est débile. Alors si tel est le cas, hein, c'est pas que je veux pas, mais si c'est vraiment l'automobiliste qui l'a fait, donc je veux dire le garagiste. En automobile, c'est pas la peine d'aller chez lui parce que s'il fait la merde comme ça sur ses bagnoles, j'ose pas imaginer l'état de sa bagnole quand on la récupère. La vraie merde quoi. Enfin bref, voilà quoi. C'est une machine comme je disais qui a seulement 30 000. La mienne qui avait 70 000 est en bien meilleur état. La fourchette est encore potable alors que celle-ci s'écrase même plus. Enfin bref, ouais. No comment quoi. Les mecs qui en prennent pas soin de leur GPR, putain, je te jure. Je leur mettrai une tarte dans la gueule. Alors les rétros, pareil, il faut que je les reponce, que je les repeigne aussi. Ils ont morflé. Bon, le rétro là, il était cassé. Enfin, pas le rétro, le clignotant. J'ai le scotch qui se décolle, il faudra que je change le clignotant. Alors ici, pareil, je sais pas pourquoi il a mis un autocollant Kawasaki, ok. C'est une derby, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je rachèterai deux. Je remettrai un ici aussi. Il n'y a plus celui de... il n'y a plus autocollant. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une machine qui est réellement 30 000. À mon avis, c'est un compteur qui a été rebalancé dessus parce que vu que ça a été démonté, ça ne me surprendrait pas. Alors, à la base, le mec, elle a eu deux proprios. Donc, la première était une fille. J'ai pu voir sur les photos d'annonce, donc de vente, où elle était mise en photo et tout, qu'elle était nickel chrome. Elle n'avait pas un pet, elle avait rien. Le mec qui l'a récupéré après, donc celui à qui je l'ai racheté, on a fait une grosse merde. On peut voir aussi d'ailleurs que sur les bas de carnage que j'ai pas montré, qu'ils ont été coupés. Vous pouvez voir ici que c'est fondu à cause de son pot de pleurs et que normalement les carnages s'avancent au moins jusqu'ici. Donc ils ont été coupés. Tout ça parce que le mec s'est ramassé et qu'il a pas su remettre en place les carénages avec le pot. C'est ce qui arrive quand on achète un pot de pleurs adaptable. Ma foi. Bon, voilà, bah, je pense que j'ai tout dit. Vous avez pu voir son état maintenant en général, qui est quand même plutôt très propre comparé à ce qu'il était avant. Alors c'est sûr, j'ai pas tout nettoyé. Il me reste le bas moteur que j'ai eu la flemme, hein, parce qu'en hiver il caillait, donc j'ai eu la flemme de le décrasser entièrement. Il reste encore un peu de crasse en dessous au niveau du démarreur, mais ça de toute façon je serai obligé de le faire. Donc en été, je pense que je vais la refoutre à poil au niveau du démarreur. C'est là que j'ai tout poncé au niveau du branchillon, des quatre pieds, tout ça, tout repeindre. Et puis faire un nettoyage complet à l'intérieur là. Enfin à l'extérieur en dessous quoi. Puis après bah sera nickel chrome. Voilà. Bon, bah sur ce, vous avez pu voir cette petite GPR que j'ai récupérée et remontée. Donc dans un état quand même plutôt maintenant très propre. Bah ma foi sur ce, bonne fin de vidéo. Ciao tout le monde.